Bonjour à tous, c'est Darken76 et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau philosotest, toujours dans le cadre de Minecraft, avec notre ludosophie en territoire cubique. Donc dans le cadre du deuxième épisode, je ne vous avais pas fourni le fichier qui permettait de redémarrer à partir du début de l'épisode, donc je vous le fournirai en le mettant bien évidemment avec l'article qui y correspond, et puis je ferai la même chose pour ce nouvel épisode. Donc là aujourd'hui vous allez voir que je vous ai épargné toute la phase de minage ainsi que la phase de construction. Ça engage nécessairement beaucoup de changements par rapport à la dernière fois, mais nous allons pouvoir regarder ça tout de suite. Donc on est en phase de nuit, donc on va passer directement en phase de jour en utilisant le lit. Et je vais vous donner dès maintenant la graine pour cet épisode. Donc on fait P comme parlé, slash seed en minuscule. Et voici en bas à gauche la graine pour ce nouvel épisode. Donc, ce qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est le thème de la sédentarisation. Alors, qu'est-ce que c'est que la sédentarisation de façon générale? C'est une attitude, je dirais, culturelle, qui consiste à s'établir à un endroit plutôt que vivre de façon nomade, c'est-à-dire vivre de sorte à changer régulièrement de lieu de vie. Pourquoi ça m'a intéressé? Parce que je me suis aperçu que dans le cadre des vidéos sur Minecraft que j'ai pu voir, il y avait quasiment toujours une première phase qui était une phase de l'ordre de la survie où on allait bouger pas mal pour aller collecter des ressources. Et puis, par la suite, on allait très vite s'établir dans un endroit précis qu'on n'allait pas forcément quitter et dans lequel on allait se développer principalement. Donc, quitter une phase, je dirais, nomade pour plutôt aller vers un mode d'évolution sédentaire. Donc là vous voyez que je fais quelque chose qui consiste à produire de façon illimitée une ressource qu'est l'eau, et ce procédé témoigne déjà d'une forme de sédentarisation. Pourquoi? Parce que la sédentarisation a aussi cet intérêt-là de nous amener à avoir accès aux ressources rapidement, de façon constante et sans prise de risque. Alors pour, je dirais, essayer d'illustrer un peu ceci, on peut regarder ce qui se passe au niveau de certaines civilisations. Et c'est vrai que si on s'intéresse à des civilisations comme les Sumériens par exemple, on voit que la sédentarisation a été quand même importante dans le cadre du développement du grand empire qu'a été l'empire sumérien. On s'aperçoit surtout que la sédentarisation procède d'une compréhension du monde, puisque dans ce cas précis, c'est par l'observation du monde et de ses ressources, à savoir pour les Sumériens le blé à l'état sauvage, la compréhension du fait que le blé était une ressource alimentaire intéressante dont la capacité nutritive était importante, que les Sumériens en sont venus à se dire qu'il fallait rester à proximité de cette ressource. Ça témoigne aussi d'une compréhension du fait que cette ressource est dépendante de l'espace, mais aussi du temps, parce qu'elle pousse à certaines saisons, et que son évolution prend elle-même un certain temps. Donc tout ceci tient, comme je le disais, d'une compréhension du monde, une compréhension de facteurs que sont finalement ce dont on a déjà défini sous le nom de forme a priori pure de l'intuition sensible, comme nous le dirait Kant, à savoir l'espace et le temps.
C'est une compréhension du caractère fini des ressources et du caractère limité du monde dans lequel on évolue. Donc si ça c'était à l'œuvre dans le cadre par exemple des Sumériens, ça l'est aussi dans le cadre de Minecraft finalement, hein, puisque c'est bien cette compréhension du monde qui nous amène non plus à aller collecter les ressources à l'état naturel, mais à partir des ressources naturelles, à développer une culture, une agriculture, pour pouvoir optimiser nos possibilités d'existence. Alors, ça offre, bien évidemment, soit tu vas t'asseoir, ça évitera que tu m'embêtes. Ça offre, bien évidemment, une certaine sécurité, puisque n'allons plus à l'extérieur pour collecter des ressources, nous ne sommes plus amenés à croiser zombies, araignées, archers squelettes ou encore creepers, ce qui bien évidemment optimise encore une fois nos possibilités d'existence. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui m'a interpellé dans le cadre du jeu. Parce que ça intervient, je dirais, quasiment de façon nécessaire. Comme je le disais, je n'ai pas vu de vidéo de joueur qui agirait de façon nomade, c'est-à-dire en bougeant de lieu en lieu sans jamais se fixer. Et on peut se demander si c'est possible, finalement, de jouer comme ça, et si on n'est pas nécessairement conduit à jouer à Minecraft. En ayant cette attitude de l'ordre de la sédentarisation. Alors là, on voit que cette sédentarisation se déploie au niveau agricole. On va voir, bien évidemment, qu'elle se déploie à bien d'autres niveaux. Alors là, je vais mettre tout de suite un petit coup de labourage parce que je veux planter mes citrouilles, et les citrouilles poussent sur un terrain labouré à la différence de la canne à sucre. Donc voilà pour la plantation, donc ça c'est fait. Donc on a vu que ça amenait à avoir accès à ces ressources là de cette façon. On a vu que c'était vrai pour l'eau. Mais c'est vrai pour d'autres types de ressources. Alors là, on revient dans la zone que vous connaissez peut-être, hein, qui est la maison de base, bien qu'elle a été quand même étendue, ne serait-ce qu'au niveau du rez-de-chaussée. Hop, on va descendre. Donc il y a un sous-sol maintenant. Et vous allez voir que pour des ressources telles que la lave, c'est vrai aussi, puisque même si le monde est vaste, la lave n'est pas une ressource infinie. Donc il y a une autre salle en dessous où j'ai fait la même chose, de la lave bloquée par des plaques de pression, ce qui va nous permettre d'économiser éventuellement le charbon, mais par la suite aussi de créer de l'obsidienne. Alors j'ai un petit dispositif ici que je vous montre rapidement. Vous voyez le principe, un interrupteur, derrière le mur deux fils de redstone reliés à un piston, piston sur lequel il y a un bloc de gravier. On abaisse l'interrupteur, le piston descend, le bloc de gravier descend, la source d'eau est libérée, ce qui vous permet d'éviter de prendre feu si vous êtes en contact avec la lave, et aussi d'éviter que la lave se répande un peu partout. Donc dispositif particulièrement simple à réaliser. Donc je vais remonter parce que je viens de m'apercevoir qu'il y a deux ressources que je n'ai pas plantées, des ressources quand même importantes d'un point de vue de leur valeur nutritive, à savoir la pomme de terre et la carotte. Donc ce sont des ressources importantes, la pomme de terre parce qu'elle a une forte valeur nutritive, la carotte parce qu'elle permet d'attraper des cochons. Hop. Donc c'est intéressant dans ce sens-là, et puis surtout parce que ce sont des ressources rares. Vous voyez que j'ai qu'un exemplaire de chacun. Parce qu'en fait, ce sont des objets qui se lootent sur les zombies de façon aléatoire. Et le pourcentage de chance d'y avoir accès est quand même assez mince. Je vais peut-être mettre des petites torches ici. Ça coûte rien.
Hop, voilà. Donc voilà pour ce qui est des ressources agricoles, des ressources naturelles telles que l'eau et la lave, mais c'est vrai aussi des ressources animalières, hein, on va appeler ça comme ça. Ça, je vais le refermer. Parce que vous avez vu que j'avais un chien. Donc le chien, à la base, c'était un loup qui a été capturé en lui donnant des os. De façon aléatoire, ça varie entre 1 et 3 os. Vous pouvez capturer un loup. Ah, ici, il fait sombre, hein, j'ai pas mis d'éclairage. Je pense pas que les monstres peuvent spawner ici. Hein. C'est relativement étroit, donc il devrait pas y avoir de danger. Et puis, une fois qu'on a capturé deux loups, transformé deux loups en chiens, en leur donnant de la nourriture, vous voyez qu'on peut les faire se reproduire. Alors, c'est intéressant d'avoir accès à ça, puisqu'on limite encore une fois les dangers. On va pouvoir, lorsqu'il nous sera encore nécessaire de se déplacer, être en sécurité, puisque les chiens vont nous aider à affronter les monstres. Donc c'est particulièrement intéressant à ce niveau-là, même s'ils sont parfois assez idiots pour aller se noyer ou se jeter dans la lave. Ils ont quand même un caractère particulièrement utile, bien que les chiens, bien entendu, ne puissent pas servir de ressources alimentaires. Donc là, je m'éloigne pour aller dans une autre partie de la maison parce que si vous avez joué sur la carte, vous avez dû remarquer que aux alentours de la montagne, les ressources étaient relativement faibles en termes de viande. Donc j'ai dû m'éloigner pour pouvoir capturer de la viande bovine. Ici, on voit que j'ai des vaches qui, une fois capturées, m'ont permis d'engager la reproduction en leur donnant des graines de blé et qui m'engage à avoir accès à une ressource de viande animale, de nourriture animale, sans avoir de difficultés, sans avoir à m'éloigner et sans avoir à prendre de risques. Alors qu'est-ce qui est intéressant là-dedans? C'est que je parlais des Sumériens tout à l'heure, mais si on remonte encore plus loin, chez les premiers hominidés, on s'aperçoit qu'effectivement, certains hominidés ont eu malheureusement des difficultés à prospérer, de par le fait que ils se sont engagés dans des techniques de chasse, qui étaient particulièrement dangereuses. Particulièrement coûteuse aussi en énergie, hein, quand il fallait rapporter la nourriture au campement, et que d'autres hominidés se sont affirmés sur ces premiers parce qu'ils avaient développé des techniques bien moins gourmandes en énergie, en termes de chasse, donc finalement ce qu'on a fait là, l'élevage, mais aussi, et c'est ça qui est intéressant, parce qu'ils avaient développé la technique du feu. Et dans Minecraft, on voit bien que le fait de manger une viande crue redonne un certain nombre de points en termes de barres de faim. Et dès l'instant où on mange une viande cuite, on est beaucoup plus rassasié. Et je dirais que ça fait énormément écho à ce qui s'est développé chez les hominidés, puisqu'effectivement, le fait de manger de la viande cuite réduisait la quantité d'énergie dépensée dans le cadre de la mastication, mais aussi dans le cadre de la digestion, donc optimiser les possibilités d'existence de ces premiers peuples. Donc moi, ce qui m'a interpellé vraiment dans ce jeu, c'est que le caractère sédentaire qui s'est développé de façon naturelle dans le monde réel et qui, sans aller jusqu'à dire qu'il est nécessaire, est quand même un trait récurrent dans l'histoire de l'humanité, et quelque chose qui se déploie de façon quasiment aussi naturelle et aussi nécessaire dans le cadre du jeu Minecraft. Et on peut se demander si on peut faire autrement. Est-ce qu'on pourrait jouer à Minecraft de façon nomade sans jamais se fixer nulle part, sans jamais rien cultiver, sans jamais être dans une attitude de collecte des ressources ou d'élevage. Donc ça sera intéressant de voir si cela est possible et jusqu'à quel point on peut évoluer dans le jeu, jusqu'à quel point toutes les dimensions
qui sont accessibles dans le cadre de ce jeu sont possibles selon ce mode de jeu nomade. Hein, donc voilà, moi ce que je voulais vous présenter, c'était cette déportation, je dirais, d'un mécanisme anthropologique réel dans le cadre du virtuel et voir ce qu'il nous permettait, comment il se déployait. Là, la vidéo arrive à son terme. Je vais vous laisser. J'espère que ce Philosothèse vous aura plu. Comme vous voyez, beaucoup de choses ont été développées depuis la dernière fois. Je vous laisse visiter les lieux si cela vous intéresse à partir de la graine de la map que je vous ai fournie en début d'épisode. Et comme toujours, je vous souhaite bon jeu en toute philosophie. Merci!